Le PSG tombe sur la pire poule de Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle du foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le tirage au sort a enfin livré son verdict et le PSG est dans la poule. Tenez-vous prêts, Borussia Dortmund, Milan AC. Et surtout Newcastle. Franchement, c'est le pire tirage que le PSG pouvait avoir. Le pire des tirages. Dortmund, c'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions. Tu as un Milan qui a joué les demi-finales, la dernière compétition. Tu as un Newcastle qui revient bien en Premier League, etc. Franchement, c'est du très lourd pour le PSG. Et tu as un PSG qui est en reconstruction. Ils sont en reconstruction. Tu perds Messi, tu perds Neymar. Est-ce que ce milieu... Est-ce que le milieu actuel du PSG va supporter l'intensité de Newcastle? Franchement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Voir le PSG sortir de cette poule, ça sera une grosse performance. Très grosse performance, même les amis. Très, très grosse performance. Franchement, ils ont tiré le pire tirage. Le pire. Tu tues le meilleur du chapeau 3. Tu tires le meilleur du chapeau 4. Franchement, c'est du. C'est vraiment pire. Après, quand tu veux remporter la Ligue des Champions, tu dois jouer les meilleurs. Tu dois jouer les meilleurs, mais je suis très inquiet pour le PSG. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es là aussi comme moi? Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour le PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!